Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vraiment encourager à évangéliser. Voilà, il faut vraiment qu'on se lève pour prêcher la parole, mais vraiment partout. Parce que la Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la parole. Donc oui, c'est Dieu qui sauve, c'est pas nous qui sauvons, bien sûr, nous on a rien à voir avec la conversion des gens. C'est Dieu qui sauve, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants au moyen de la parole. C'est-à-dire que Dieu nous utilise pour qu'on prêche la Bible. Et par ce moyen-là, par le moyen qu'est la prédication de la croix, eh ben, il sauve ses élus. Voilà. Parce qu'on sait que Dieu, il pourrait très bien, dans son omnipuissance, enfin son omniscience plutôt, claquer des doigts et puis faire naître de nouveau toutes ces brebis. En une fraction de seconde. Mais il a plu à Dieu vraiment de sauver les siens par la folie de la prédication, comme c'est dit dans un Corinthien. Donc il faut vraiment que nous, on se lève, qu'on ait ce zèle, ce courage de prêcher la Bible dans son authenticité, sans compromis, sans altérer son message, mais vraiment qu'on prêche vraiment le vrai évangile, l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ. C'est important. Puisqu'on est dans un monde rempli de mensonges, rempli de tromperies, voilà. Et dans ce monde, il y a encore des brebis qui n'ont pas été appelées, justifiées. Et voilà, il faut qu'on nous on se lève pour que qu'on prêche la Bible et que ces brebis qui n'ont pas été encore appelées, justifiées, le soient par la grâce de Dieu. Voilà, c'est important vraiment de prêcher la Bible. Et c'est Jésus qui nous l'a dit, hein, faites de toutes les nations des disciples. Prêcher la Bible, évangéliser, hein, il l'a dit. C'est un commandement. Pas dit de rester passif, oisif, et garder la vérité pour soi. Non, il a dit au contraire de la partager aux autres, de prêcher la croix. Voilà, c'est pas réservé seulement aux pasteurs, hein, c'est vraiment toute l'Église qui a ce devoir de partager la bonne nouvelle, toute la création. Voilà, soyez bénis, au revoir.